Excusez-moi, je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 23 centièmes. Pas mal pour un quelqu'un, non? Il n'est pas encore mort le plus vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Répète un peu pour voir. Je rêve que je vais traiter ma mère de pute. Non, je ne le fais pas exprès. Mais voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, et ensuite tu t'excuses. Encore une fois, excusez-moi, je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités et je fais des gestes obscènes sans vouloir. Ça n'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche. Mais vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée, hein. 2. C'est con comme chiffre. Mais en même temps, vous ne pouviez pas en faire des millions. Potentiellement, si. Tiens. Vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, là ou ailleurs. Ça sent la pute! Je suis où, là? Pardon, madame. Pardon, j'oublie de bien vouloir m'excuser. Mais ça va pas bien, la tête? Vous êtes sûr que vous faites de l'alcool ou quoi? Non, 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 il faut pas se vexer. Fred dit des gros mots comme ça, mais il ne le fait pas exprès. Ben, c'est le syndrome J de la Tourette. Exactement. Ah bon, vous connaissez? Ben oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé qui en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Pour moi, le pèlerin. Le quoi? Le pèlerin, là. Oh. Ça fait 3 fois. Ah, ils vont bouffer la savonnette, hein. Si, je veux bien. Eh bien, venez, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Oh, les lignes. Je les ai là sur le sol. Je ne marche jamais sur les lignes, jamais. Et là, les mets partout. Eh ben, la carte sautait pas dessus, mon vieux. Il n'y a que 1325. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure lorsqu'il a créé une cochonnerie. Ben non. Et vous allez vous moquer de moi si jamais vous faites un truc qui vous paraît un peu anormal? Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Oui, bien sûr. Ah, mais moi je suis venue pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Personnellement, tout va bien. Ben oui, bien sûr. Ben, tenez, prenez ma place, ça vous fera moins de trajet. Alors là, bravo, hein, c'est ingénieux. Blanche. Bonjour, bonjour Blanche. Comme la chèvre, c'est ce gars. On a dit qu'on n'interrompait pas. Pardon, pardon. Bon ben, comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la quarantaine. À la louche. Et j'ai très peur des microbes de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et qu'on lit ce qu'on lit, eh bien je me dis que j'ai bien raison de m'inquiéter. Seulement, comme j'ai tendance à m'angoisser un petit peu trop avec ça, et d'angoisser les autres aussi, ben, mon entourage a insisté pour que je consulte, et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Mais ça vous a pris à quel âge, cette histoire? Oh, j'ai toujours eu ça. Mais ça m'a pris il y a quelques petites vingtaines d'années. Allez, dans la buse! Trop du cul! Ah, c'est bien fait, moi! J'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un toc. Quelle manie? Ben, je vérifie sans cesse les choses. Mais quelles choses? Ben, d'abord mon sac. Et je fais pareil, quand je pars de chez moi, je vérifie si j'ai fermé toutes les serrures. Et je fais pareil avec l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Bien sûr, c'est un grand classique. Ça s'appelle des tocs de vérification.
Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Oh, eh bien voilà, c'était pas la mer à voir non plus. Bon allez, c'est pas... Non, attendez. J'ai aussi des... pensées. Pensées de quoi? Des pensées qui reviennent. Eh bien,
en fait, on va vous poser des questions toutes bêtes et vous ne devrez essayer d'y répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. C'est parti. Trois minutes. Pas chrono. Vous avez quel âge? 23. Et là, vous avez fait un effort pour ne pas répéter. Ah bah oui. Ah bah j'aimerais bien que je le fasse. Allez mec, on y donne la fois. Allez, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Pour nous. Pour les groupes, pour Jésus. Carton jaune. Pas de publicité clandestine pendant le travail. Interdit. Je peux pas, c'est trop dur. Mais danse si tu veux, mais tente le truc, bordel. Je peux pas, je suis complètement bloqué. Mais une ligne. Une seule. Allez, Bob, pour me faire plaisir. Oh, j'aimerais tellement. Allez, Bob, pour me faire plaisir. Ok, j'y vais, mais une petite. Hein. Allez, une petite. Allez, chef, oui, comme disait jeunes. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Comme tu veux. Lily, si je le fais, j'aurai droit à une autre bise. Mais deux.